Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Je vis en mode électrique, et ben justement je réponds à l'autre question qui est qu'est-ce que je veux dire quand je parle de calibrage du moteur? Et ben c'est tout simple. Première chose, je vous mets face à la route. Alors voilà, pour faire un calibrage moteur. Pour moins consommer, justement. Bon, d'abord, il va vous falloir. Là, on n'est pas dans les meilleures conditions. Hein, parce que regardez, il fait 6 degrés. Hein? Ouh là là, il fait pas chaud. Il a même neigé sur les hauteurs hier. Donc, bah voilà, c'est pas le tip top. Mais bon, je vous ai dit que je ferai la vidéo dans la semaine. Donc, bon, bah, je vous la fais aujourd'hui. Vu que j'ai l'occasion de pouvoir prendre la voiture. Ça sera une vidéo un peu longue parce que faut aller jusqu'à Crolles et ça fait à peu près 30 km de Poisat, parce qu'on va partir de Poisat, jusqu'à Crolles. Alors le but, c'est ici là, faut remettre à zéro. Donc on va remettre à zéro. Vous appuyez longtemps sur OK, ça clignote. Et ça y est, vous avez perdu toutes les données. Non, je rigole. Ça a annulé ce que vous avez fait auparavant. Là, pour vous dire que c'est vraiment le moins bon cas, on est à fond au chauffage. Il fait froid. Donc le calibrage va être forcément un peu plus haut que si vous aurez fait, par exemple, en plein été. Donc on remet aussi les kilométrages à zéro. Par défaut, la Zoé Z250 met tout à zéro dès que vous avez la plus basse des versions. Bien sûr, ben on a les pneus. Une page blanche où là, ça va être les infos si vous tombez en panne, par exemple. Il va vous mettre la panne que c'est. Et nous, le but, c'est que ici, on se rapproche le plus près de la donnée constructeur. Donc la donnée constructeur est de à peu près 10,5 pour le meilleur des cas et 14,5 pour le moins bon des cas. Donc notre but à nous, c'est quand même d'être dans les 11, allez 12, pour être au maximum du kilométrage qu'elle peut nous donner à faire. Par exemple, à 11,8 j'étais, et bah il y avait Bobo, parce que logiquement là je serais plutôt vers les 300, que là on est plutôt vers les 250. Bon, bah c'est pas grave, hein, il fait froid, on va pas les refaire les voitures électriques, ça n'aime pas trop le froid. Mais bon, on n'a pas trop perdu, hein, on a perdu à peu près une cinquantaine de kilomètres. Bon. C'est mieux que les anciennes où on perdait la moitié de la batterie. C'est bête de perdre la moitié de la batterie quand même. Et bah là par exemple, vous voyez, ça fait un moment que je suis arrêté. Elle a mis automatiquement le frein de parking. C'est magnifique. Donc pour ceux qui connaissent pas ici, alors ici c'est la petite feuille verte. Faut qu'elle soit toujours verte pendant un calibrage. Vous avez quoi d'autre comme données? Hein? Bah je vais vous donner toutes ces informations. Là, par exemple, on a la musique. Donc, pour mettre la musique, n'hésitez pas à appuyer sur ce petit bouton. Voilà. On a le GPS même dans la plus bas de gamme. Ça va vous mettre par câble USB sa branche Google Maps. Donc, du coup, par défaut, bah, ça va vous mettre des flèches là. Droite, gauche, tout droit, les ronds-points. Mais ça va pas vous mettre un vrai GPS. Il faut la dernière version avec le GPS pour l'avoir en fond d'écran. Mais ça, on n'a pas forcément besoin. Après, ça, chacun voit à sa porte comment il veut le faire. Moi, j'ai pas voulu, hein. La plus bas de gamme va très bien pour mes besoins. Nous avons quoi d'autre? Eh ben voilà, le dernier, c'est la gestion du cadran ici. Donc la fameuse feuille, rien du tout. Ah, dommage. C'est normal, c'est la bas de gamme, donc par défaut, bah ça prend, voilà. Ici, bah nous trouvons, soit on va recharger la batterie, ça va faire une flèche bleue qui remonte à la batterie, soit on donne de la puissance au roue, c'est la flèche verte.
Voilà, bon, ça c'est un petit schéma. Ça serait mieux sur l'écran principal, mais sur la bas de gamme, ça n'existe pas. Donc la feuille verte, c'est le mieux. Au moins, vous avez la preuve directe de ce que vous faites. Et nous, l'idée, c'est que ici, on soit dans les 11, 11,5. Bon, je sais très bien que là, on va être dans les 12 parce que la température, c'est de 7 degrés. On a le chauffage au maximum au premier niveau. Et ici, faut pas qu'on dépasse les 10. Allez, les 16 kWh pour être dans la bonne moyenne ici. Alors, je vous accroche en mode conduite. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Sur la route. Alors nous voici, on est parti pour vous faire voir comment ça marche. Hop. Donc voilà, là nous partons, nous avons tout mis à zéro. Le but, comme je vous dis, c'est d'avoir le meilleur calibrage possible. Donc par défaut, bah, faut conduire pendant ces 20-30 km sans faire de grosses accélérations ni autre chose qui peut faire que la hausse va se faire direct. Par contre, ne vous traînez pas. Là, c'est une zone 30, je suis à 30. 35. J'ai toujours mes 5 de plus. Sauf dans les zones à 50, où là, bah, 50, ça va largement bien. Donc voilà, l'idée, c'est de faire. Voilà, là par exemple, il vous donne une grosse valeur. C'est normal, parce que le moteur n'est pas calibré encore. Donc là, il vous donne par rapport à ce que vous roulez. Si vous roulez fort, bah, il va vous donner beaucoup. Si vous roulez moins fort, vous aurez forcément une meilleure autonomie à la fin. Mais là, comme je vous ai dit, ça va être compliqué de faire une bonne calibration parce qu'il fait très très froid. 7 degrés pour une voiture électrique, c'est très froid. Voilà. Une voiture électrique à partir de 15 degrés, on va dire, c'est compliqué de faire un bon calibrage. Voilà. Tout simplement. Au-delà de 30 degrés, c'est compliqué de faire un bon calibrage. À 15 degrés, c'est le minimum pour faire un bon calibrage. À 30 degrés, c'est le maximum, parce qu'après, c'est trop chaud, faut mettre la clim, faut mettre pas tout ce qu'il faudrait pas mettre logiquement pour un calibrage. Et là, l'idée, bah, c'est de rouler, comme je disais, le mieux possible, aux limitations de vitesse. Et bien sûr, éviter bah, les grands coups d'accélération pendant le calibrage, par exemple. Vous allez préconiser bah, plutôt de rester s'il y a un vélo, bah, malheureusement, jusqu'à temps qu'on peut doubler sans faire de grands coups d'accélération. C'est triste à dire, mais voilà, le temps de calibrage, c'est 20 km où il faut pas faire d'excès, où il faut que bah, ça soit qualitatif. Votre conduite pour que la voiture mémorise une valeur sûre. Donc après la valeur, elle est faite par le constructeur. Voilà, la voiture va pas descendre en dessous de 10 kWh, elle descendra pas. Je suis arrivé à kWh, je l'ai fait tenir pendant une semaine, mais forcément dès qu'on prend l'autoroute, elle va monter. Mais elle n'est pas montée au-dessus de 11,6 kWh. Donc c'est vraiment pas mal, hein, 11,6 kWh. C'est pour ça que là le défi c'est d'aller à ces 11,6 kWh
Mais là, voilà, très nettement, là j'ai le chauffage, on était à 14,5, bah là on augmente. Par contre, j'éteins mon chauffage. Je demande plus de puissance. Là, la voiture n'aura aucun mal à faire un calibrage correctement. Mais là, on peut pas se permettre, j'ai le petit derrière, il fait pas très chaud. Et ben voilà, on est obligé de forcément mettre du chauffage pour réchauffer un peu toute la petite famille. Donc pour la question, bah comment on fait un bon calibrage? Donc au-dessus de 15 degrés, il faut le faire. Là, c'est vraiment pour vous montrer comment on fait un calibrage. Je sais très bien qu'il va être mauvais le calibrage que je vais faire. Mais c'est vraiment pour vous montrer que bah, le calibrage, ça marche comme ça. Faut faire tant de kilomètres. L'instrumentation va se bloquer sur le kilowatt qu'il aura mémorisé. Et ça vous permettra de faire des économies. C'est pas plus dur que ça. L'idée, bah, c'est d'aller le plus bas possible en kilowattheure. Pour que quand vous allez prendre l'autoroute, bah la hausse se fait pas rapidement, elle va se faire pas palier de 0,5 centième. Et l'idée, bah, c'est de donner une valeur sûre à la voiture pour qu'elle vous évite de trop consommer. Donc avoir des kilomètres en plus par rapport à l'estimation du constructeur. Le constructeur sur cette voiture, c'était 390 km maximum, elle peut faire. Dès que le calibrage est très bien fait, la voiture peut faire 410 à 420 km d'autonomie à 100%. Donc là, très clairement, avec le calibrage qu'on va faire aujourd'hui, si elle me donne déjà 350 km à 100% d'autonomie, je serai content. Parce qu'il faut être dans les 11 pour avoir le calibrage le meilleur. Et là, c'est pas possible parce que le chauffage par défaut. Donc on va voir, hein, ça se trouve, je peux me tromper. Mais connaissant comment elle réagit, les zoés, 50 km de moins par rapport à. Si j'aurais fait mon calibrage en plein soleil. Donc là, très clairement, il y a la neige sur les montagnes. Il fait 7 degrés. Ne vous attendez pas à des miracles sur le calibrage que je vais faire. Si on arrive à faire du 12 kWh sur le calibrage que là, on est en train de faire, je peux m'applaudir. Parce que sans blague, là, on a les moins bonnes conditions pour faire le calibrage. Mais ça descend, on est à 14 là, kWh au 100 km de moyenne. Ah, on est déjà pas mal, hein. Par exemple, on a des petites montées, des petites machins, mais on essaye de. Voilà, on est à 50, la zone c'est une zone à 50. Et bah, on est à 13,6 kWh au 100 km. Alors, pour la température extérieure et pour les conditions de route qu'on a, c'est une très bonne moyenne. Je pense qu'arrivé à Crolles, on sera à 12 ou 12,5. Moins ça me paraît difficile. Moins ça me paraît difficile. Donc vous l'avez en direct, hein, je vous mens pas, hein, la vidéo est pile dessus. Logiquement, vous voyez. Là actuellement, bah voilà, sur le calibrage actuel, on est à 13,4 kWh au 100 km. Alors forcément, hein, faut pas regarder dès que vous accélérez à un feu, hein, parce qu'à un feu, par défaut, vous demandez plus de puissance pour lancer votre voiture. Moi, la voiture dans le coffre, j'ai la trottinette, j'ai plein de choses qui font qu'elles sont encore plus lourdes, ces zoés. Donc du coup, là, très clairement, en condition, on est très mauvais.
Mais par contre, bah, je me rends compte qu'on peut faire, grâce au calibrage, du 13,1 kWh à 7 degrés en extérieur. Il y a la neige sur les montagnes. Il y a un poids, on va dire, j'ai rajouté presque une centaine de kilos à l'arrière, si je compte mon petit. Je compte mes 60 kilos dans la voiture et on compte les 1500 kilos de la voiture en elle-même. Très clairement, là, le calibrage se passe bien. Il se passe bien et en plus de ça, regardez, là on va arriver à 12 kWh en récupération d'énergie. À l'arrêt total, on est à 12,4. On a fait 12,4 kWh. On est vraiment bien, hein? À 12,4, on est vraiment bien. Là, par défaut, la voiture va se calibrer à un moment donné. Elle va se bloquer. Donc même si vous allez faire des fortes accélérations, dès qu'elle se sera bloquée au kilowattheure que vous voulez, par défaut, la voiture n'aura pas une hausse significative dès que vous ferez des grosses accélérations. C'est pour ça que là, actuellement, je me mets en mode éco. Le mode B pour la régénération d'énergie et donc l'économie en kilowattheure aux 100 km. Le chauffage, il ne me fait pas faire des économies, hein. Alors là, je vous annonce direct. Dès que vous mettez le chauffage, là par exemple, vous voyez, je fais une forte accélération. On monte de pas grand-chose et on va vite redescendre parce que par défaut, la conduite, eh ben, elle n'est pas soutenue. Donc là, voilà, hop, je passe une bosse, boum, je suis arrivé à 13,5. Mais là, on est en montée. Comme je vous dis, hein, c'est les moins bonnes chose à faire pendant un calibrage, que je vous dis. Donc là, on est en montée, faut appuyer, on remonte à 14 kWh au 100 km. Il fait 7 degrés. Aïe, 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 aïe. Pas très bon, pas très bon. Le poids de la voiture, ben, on n'en parle pas. Hein. Alors là, beau, 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 beau. Il fait très mal le poids de la voiture. Avec ses 1500 plus. Mais sans de, que j'ai mis à l'arrière avec mon fils et mes 60 kilos, on est bien à 1600, 1700 kilos. Je sais pas exactement le poids à l'arrière que j'ai mis, mais si c'est 100, on est plus vers les 1750 kilos dans l'arrière de la voiture. Le calibrage se poursuit. Moi, je vous reprends arrivé à crawl parce que c'est un peu long hein, de faire toute la vidéo. Donc moi, je vous reprends arrivé à crawl. Donc nous voici arrivés à crawl. Le calibrage est terminé. Donc maintenant, il n'y a plus de grosses hausses ni de grosses diminutions. Et du coup, bah, plutôt surpris parce que on se retrouve avec un kilowattheure qui est pas trop haut. On est à 12,5 kWh. Elle s'est bloquée à 12,5 kWh. Donc voilà, on n'est pas arrivé à être jusqu'à 12 parce que le chauffage nous a bien contredit et la température aussi. Mais par contre, bah voilà. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux essais, des nouveaux tests. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre une petite cloche noire, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, toutes, toutes, toutes. N'hésitez pas à me contacter par mail ou un petit commentaire en bas de la page. Mettez un gros pouce bleu. N'hésitez pas à aller sur mon Facebook. De, bah, bien sûr, me faire connaître si vous connaissez des gens qui ont des voitures électriques. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Je vis en mode électrique.